Ouais, Mike, ouais, 14-0-55, Mike. Ouais, bonsoir, mon poulet, tu es 59 plus 10, hein. 59 plus 10, hein, ça va? Ouais, ok, Jeff, plus 10, plus 20 ici, ça va, 73 à Ottawa. Ouais, j'avais bien écouté 670, mais j'avais pas entendu le mode, hein. J'avais pas entendu que tu passais LSB, je suis désolé, il y a une sacrée cacophonie 555, hein. Voilà, mais sinon, ouais, tu passes très très costaud ce soir sur la Picardie, Jeff, tu es seul? Oui, la station de la région parisienne, je vous écoute là, mais il y a déjà un interlocuteur, donc si vous pouvez patienter quelques instants, merci. Merci. Ouais, Mike, tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, je te disais, j'avais bien entendu QSY 670 sur le 555, mais j'avais pas entendu le mode. J'avais pas entendu que tu me disais de passer LSB vu la cacophonie qu'il y a sur 555 entre les Italiens et les Espagnols. C'est vraiment pas évident. Hein. Voilà, je te retourne le micro, Jeff, 692-055 à ton écoute. Ouais, ok, merci Mike, pas de problème. Bon, j'espère que tu as reçu toutes mes photos. Ouais, tu vois la journée fantastique qu'il a fait cet après-midi, aujourd'hui, là. Entre ce matin et cet après-midi, là, au bord de l'eau, là, c'était 28-29 degrés constants. La température de l'eau, magnifique. Le top, là. Aujourd'hui, c'était l'été ici. Hein. On a eu une semaine pourrie, mais aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment agréable. Ouais, bah, je m'aperçois finalement que le soleil du nord s'est barré au sud et qu'on a récupéré votre pluie. Hein. Voilà, on a pris des averses, nous, aujourd'hui. Le mercure est bien tombé également, 16 degrés actuellement. Donc le mercure est descendu et on a été arrosé par quelques averses. Ce sont des averses orageuses, mais il n'y a rien eu de bien bien méchant. Enfin bon, c'est tristonné aujourd'hui sur le nord de France, un petit peu comme d'habitude, comme vous dites dans le sud. Mais bon, on avait eu de beaux jours en début de semaine. Et là, ça s'est gâté un petit peu par des passages orageux. Mais pour l'instant, on est épargné sur mon QTH. Hein. On a vraiment que des queues d'orage et des averses intermittentes. Voilà, côté propagation, c'est bien ouvert depuis une heure à peu près, et tous azimuts. Hein. J'entends aussi bien la Grande-Bretagne que la Pologne, que l'Italie ou que l'Espagne. Et j'ai même fait la 91, là, il y a peu de temps, j'étais surpris d'être briqué par la 91, vu le brouhaha qu'il y a en fréquence. Voilà, je te retourne le micro, Jeff, je ne serai pas très long, je vais te laisser profiter de la propagation et pas faire trop patienter la station de la région parisienne. 14 RS 692, RS 055 qui est à ton écoute et qui te remercie, j'ai bien eu toutes les photos et j'avais un petit peu les boules d'ailleurs, à toi Jeff. Ouais, ok, ben si t'as les boules, t'en enverrais d'autres. En plus aujourd'hui, on hésitait avec Malana, on hésitait entre... Bah, aller au bord de l'eau par ici ou aller au Sainte-Marie, tu vois. Après, le problème des Sainte-Marie, c'est super beau. Mais si tu en as entendu parler déjà, les Sainte-Marie de la mer, c'est super beau, mais bon, le problème, c'est que c'est à peu près une centaine de bornes ici. Et que, en général, vers 2-3 heures, il se lève toujours le vent des entrées maritimes. Et donc, en fait, tu profites pas à fond de ta journée. Et après, quand même, te refrapper 100 bornes de route pour revenir. Surtout quand tu as pris le soleil et que tu t'es baigné toute la journée, tu n'as pas trop envie, quoi. Mais bon, si ça s'ouvre dans ces eaux-là comme ça, demain, j'irai faire un petit tour, là. Mais là, j'ai pas trop envie de faire de la radio ce soir pour activer un phare ou un iwi, là. Voilà, voilà. Mais bon, demain, si je vais au bord de l'eau, t'inquiète, je t'enverrai d'autres photos. Ok, Mike, allez, je te laisse tranquille. Merci du petit passage. Je t'envoie une très belle soirée à toi ainsi qu'à ta famille et puis au plaisir de t'entendre toujours dans de bonnes conditions et puis au plaisir de discuter avec toi sur Facebook aussi. Allez, bonne soirée Mike, à bientôt. Ah, ok Jeff, 14 RS 692-055 qui reprend pour le final en ta compagnie. 9 plus 20 hein, sur le dernier passage est constant, hein, pratiquement pas de fading, donc tu verras le S-Met sur la vidéo bien évidemment. Et tu entendras ton accent du sud avec le soleil qu'il y a dans ta voix et mon accent picard avec toutes les betteraves qu'on n'a pas encore. Voilà, pour ce soir, ça se profile soirée ciné vu que le mercure est pas bien haut. Donc bon, on va aller s'enfermer dans une salle de cinéma, de toute façon il n'y a pas de soleil à profiter pour l'instant. Et puis demain sortie moto relax avant de mettre le pied à l'étrier pour préparer le prochain rassemblement qui aura lieu le dimanche prochain pour nous. Donc on va peaufiner tout ça.
On attaque dès mardi matin toutes les installations, puisque ben, y a quand même pas mal de préparation à faire. Hein. Voilà, afin d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Donc je ne serai pas très actif Facebook et puis ben, pas actif du tout radio. Ou vraiment ça sera juste une petite éclipse. Parce que là je serai sur d'autres chantiers pendant une semaine. Hein. Voilà Jeff, et bah écoute, merci à toi pour ce contact, merci de l'appel sur 555, là ça fait plaisir d'entendre son call appelé sur la fréquence d'appel. Et puis bah, je te souhaite de passer une excellente soirée en bonne compagnie là. Achille, laisse les phares tranquilles, laisse les lotas, il y aura bien d'autres jours, là t'as été actif pas mal ces derniers jours et c'est sympa. C'est bien d'entendre ces activités en RS là depuis le sud avec une propagation bien ouverte. 14 Radio Sugar 692 Jeff Hounet sur le département 13. Ici 14 Radio Sugar 055 Mike, le Picard Big Gun qui te salue, à bientôt Jeff. Ah, ok, Mike, bonne soirée à toi. Je vais voir si la station de la région parisienne est toujours là. Allez Mike, avec l'accent de Marseille, je te souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, bye bye. Bye bye, Jeff Houlet. La station de la région parisienne, vous êtes encore là?